Jug, très belle victoire de Independence qui remporte cette cinquième épreuve, montée avec beaucoup de confiance par le jockey Diego de Gouvia. Diego, good afternoon. Good afternoon. Thank you for having me. Independence proved it too strong today, well ridden by yourself. What feeling the horse gave you today? You know, his preparation coming into this race was fantastic. I mean, he's an old horse, but he carries on like he's a juvenile. And when he showed me that at home, that he was full of attitude and full of himself, I spoke to the boss and he said to me, look, he hasn't seen the horse like this for a long time, so he's very well within himself. And he proved that today. It seems that you were very confident on him today. Yes, I was very confident on him. I actually wanted to lead myself, but it didn't work out that way. And I was more than happy to sit second, but I didn't ideally want to be on the rail. I wanted to be one off, just that I can get myself a clear passage. You know, he's an old horse, he knows what to do. And yeah, he proved it today. Thank you, Diego. Thank you very much. Just before I leave, a big thank you to my boss, you know, for the opportunity, as well as to all the owners involved. Great to put another one on the board here on the island. Thank you. Thank you. Subu, Independence, malgré ce 9 ans, aujourd'hui c'est un chancé moyen, mais il démontrait qu'il suit à la distance, c'était un des mannes cheval qui était bien 26 par l'écurie aujourd'hui. Oui, oui, si on prend en considération, ben les autres chevaux là-dedans, c'est 26 par 46, 51. L'I-56, il tire très bien, et quand Independence est un Libyen, il est au bord, il galope bien. Il tient un salin pour là et je remercie le même propriétaire qui nous supporte. Et comment qualifier la performance de Turbulent Air? Very encouraging. Je suis un peu découragé avec lui. Nous faisons une décision de mettre un nouveau fait avec lui et il paraît comme s'il fait le travail et nous expectons better in the future. Sinon, ce bout, qui est capable d'expecter de Middle Path dans la 7e? Middle Path, il décevait nous. Une fois, il a un des bons courses et tout. Chaque fois, nous avons gagné l'espoir, il décevait nous. Nous expectons un petit place là parce que pas un champ trop élevé. Et nous croyons l'autre sens, c'est que c'est Seven Silver. Et Seven Silver, justement, la Fadianienne beaten favorite, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est pial avec une big chance? Mais Seven Silver est mauvais la ligne. We have to take our luck, mais he will be there and there là-bas. Merci, Subu. Les impressions de l'assistant-entraîneur Subirats Gazedor par rapport à la victoire des Independence, mais il parle également de ses deux autres partants, Middle Path et Seven Silver dans la dernière journée.